vu les hippopotames tout à l'heure? Oui. Ils étaient dans l'eau maintenant. Tu vois, on est dans la savane. Regarde, tu vois les coques de buffon là? Oui, j'ai vu. Tu es fatigué, Ibrahima? T'es fatigué? J'avais fait une tournée au Cameroun où j'avais rencontré à l'époque le président Aïdjo, et puis il m'avait parlé d'un guide de chasse qui était du sud-ouest, ce qui m'a engagé à le rencontrer. Je veux dire que j'étais assez touché au départ lorsque je l'ai vu, parce que pour moi c'était un personnage de cinéma. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé, et à partir de ce moment-là, je me suis dit pourquoi ne ferait-on pas quelque chose ensemble. Alors on a commencé pour le tester, j'ai fait une radioscopie avec lui. Je me rappellerai toujours parce que cette radioscopie, nous l'avons fait au bord d'une rivière qui était peuplée d'hippopotames. Nous sommes près d'un lac, d'une rivière. C'est la Bénouée qui coule sur 100 mètres de large avec d'immenses bancs de sable devant vous. Oui, alors là. Que vous le disiez, les oui, hippopotames. Je vous laisse dire. Qui sont devant nous. À 15 mètres. À 15 mètres, une énorme femelle avec son petit qui repose son montant sur son dos pour se reposer et ne pas se fatiguer à nager. J'en ai compté 8, moi. Oui, ils sont 8. Vous voyez le mâle qui nous regarde actuellement, qui est un peu inquiet parce qu'il entend parler, il est tellement près qu'il l'entend. Mais le mâle est énorme, il pèse combien? Pas loin de 2 tonnes. Je me souviens la première fois lorsque je suis arrivé, Jean-René Vivet était là avec notre équipe pour faire le film, Le Guide et l'Enfant, après lequel nous avons d'ailleurs fait un livre, et c'était Abou Bandjida. Et je suis arrivé assez tard le soir, il m'avait fait un repas de roi avec une pièce de buffle sauvage qui avait été tuée la veille, et puis il devait être 10 heures, et à ce moment-là, la nuit était tombée, et je lui dis, on va faire une grande promenade, alors que j'arrivais de Paris direct, hein. On va faire une grande promenade, je veux aller voir les lions. Il me dit, comment veux-tu que je te montre les lions? Il n'y a pas de lion à cette heure-là. Et on était à 4 km du rendez-vous de chasse de Boubanjida. Et tout d'un coup, devant la voiture, un lion. Puis 2 lions, 3 lions, 4 lions, 5 lions, 6 lions. Cet homme que filme et interview Jacques Chancel est un de ces personnages mythiques qui ont fait l'Afrique. Aventurier de la première heure, guide de chasse au territoire infini, ce personnage charismatique et attachant a marqué toute une génération de Français et d'Africains. Non content d'être l'un des plus grands chasseurs européens, il acquiert dans les années 60 une vision prophétique de son métier qui, 40 ans plus tard, a fait école au Cameroun et ailleurs. Henri Aide-Dessus a été éleveur avant d'être chasseur. Sur son territoire de chasse de près d'un million d'hectares, il protège ses centaines de lions, de girafes et d'éléphants et ses milliers de singes, d'antilopes et de buffles. Son sens pastoral prend le dessus. Ses fidèles compagnons africains l'appellent le Moukala, le blanc. Il est à la fois leur patron, leur docteur, leur banquier et leur chef. Il est lié à eux, les admire et les choix. Ils le lui rendront bien. Qu'ils soient pisteurs de savanes, piliers incontournables de ses safaris de chasse, ou bergers peuls en charge de ses milliers de zébus, ils le suivront dans les deux grandes aventures de son existence africaine. Grand chasseur qui a réussi dans l'élevage, grenoblois de bonne famille qui préfère la vie en brousse, blanc viscéralement attaché à cette terre d'Afrique, le personnage frappe par ses apparentes contradictions. Quel homme se cache exactement derrière ce seigneur des forêts, ce personnage quasi légendaire que deux films et deux radioscopies nous ont donné à découvrir? Fils d'un officier de gendarmerie d'origine basque, le jeune Henri Aide-Dessus poursuit à Grenoble des études de droit, interrompues en 1943. Au service du travail obligatoire, le jeune intellectuel, sportif et patriote préfère le maquis. Sa vie bascule. Il devient un résistant, traqué dans le Vercors, voyant mourir un à un ses compagnons. Il en sort profondément marqué. Par rapport à une vie relativement confortable de jeune homme, de bonne famille, dans les beaux quartiers, savoir qu'il y a 50 ans, il y a des gens comme ça qui, à 20 ans, ont pris les armes
pour défendre une cause qui n'était pas du tout validée à l'époque, ça on a tendance à l'oublier, donc précurseur de dire en 1940 je ne veux pas que mon pays soit occupé par une force étrangère, je ne veux pas que de telles idées soient véhiculées, et de le faire sans publicité, sans rien, il n'en a jamais parlé, contrairement à d'autres qui ont beaucoup moins fait, qui ont beaucoup plus parlé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est-à-dire la générosité et en même temps la modestie. La paix revenue, Henri ne reprend pas ses études. Il monte une affaire d'import-export et se marie. L'insuccès du mariage précède de peu celui de son entreprise. Lassé par la grisaille de sa vie, le jeune homme décide de tout abandonner et renaître sur un autre continent. Les grands espaces africains l'attirent. Devant une map monde, il pique du doigt au hasard sur l'Afrique. Ce sera Douala, au Cameroun. Il a 29 ans quand il s'y installe, en 51, avec 10 francs en poche. Après plusieurs mois, il se lance à la découverte de l'intérieur du pays. À Balmayo, les protéines manquent. Alors lui vient l'idée risquée de l'approvisionner en poissons depuis Douala. Risquée parce qu'il n'a pas de camion frigorifique. Dès lors, chaque voyage est une course contre la montre. Avec la chaleur, la moindre panne est synonyme de désastre. Les Blancs, cantonnés dans les villes, à des postes tranquilles, prennent Henri, seul en brousse avec ses Africains, pour un fou. Opiniâtre, il réussit son pari. Il revend son affaire après avoir multiplié son investissement par 10. Il se rend alors à Gaoundéré, au nord, achète des zébus qu'il convoie à cheval en 2 semaines vers Balmayo. Le commerçant devient cow-boy et retrouve ses racines de paysan. À 3 heures de cheval de Gaoundéré, Henri découvre Gaoundaba. Des milliers d'hectares de pâturage en friche près d'un superbe lac de cratère. Son rêve d'élevage est à portée de main. Il y a des occasions dans la vie, il faut les saisir, l'attraper à la gorge, cette chance, et ne pas la laisser tomber. Voilà où j'ai eu ma grande chance et que j'ai pu faire ma vie dans ces grands espaces. À la fin de 1957, Henri obtient de l'administration coloniale l'autorisation d'édifier à Gaoundaba logements, hangars et bains d'étiqueurs pour son bétail. La grande aventure commence par une paillote, une lente tempête et 5 zébus. En quelques années, Gaoundaba va devenir un ranch prospère de 20 000 hectares et de plus d'un millier de zébus. Henri est rejoint à la fin des années 60 par son fils, Pascal. Le ranch devient aussi la base arrière du formidable dispositif d'accueil, de tourisme et de chasse qu'Henri va créer au Nord Cameroun. Il y avait tout à faire. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est moi qui l'ai construit. C'est-à-dire, pour être ici, il faut savoir tout faire. Vous voyez la grille, le hangar, tout ça, c'est moi qui ai tout fait. Même j'ai coupé les carreaux, taillé les carreaux, fabriqué les portes. Bon, j'ai installé l'électricité, j'ai installé l'eau. Ici, c'était la brousse complète, c'était la brousse sahélienne, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus boisé. Il y avait pas mal d'animaux sauvages, des prédateurs, on trouvait encore dans le voisinage des lions et des panthères, et donc il a fallu pacifier la zone, c'est-à-dire ne plus mettre les bêtes en zone en danger, notamment le soir, parce que ce sont des proies tout à fait faciles, et puis aller prendre dans les familles du village des foulbés qui avaient cette tradition et cette connaissance du bétail. Le berger s'installe au milieu de ses bêtes avec sa famille. En général, il y a une petite case par épouse et puis la case principale où se prennent les repas avec les enfants. C'est toujours une enceinte avec des poteaux faits avec des morceaux de bois, 3-4 rangées de fils de fer barbelés, et tous les soirs, le travail du berger est de rassembler les bêtes qui ont pâturé dans la journée et de les remettre ici.
Rentrer les bêtes tous les soirs, c'est pas une sinécure parce qu'elles sont très très dispersées, donc il faut les retrouver, il y a souvent des bêtes qui manquent, etc. La partie plus novatrice, c'était un suivi vétérinaire plus consciencieux, avec davantage de moyens, des vaccinations systématiques, et puis un détiquage systématique et un déparasitage systématique qui consiste à faire passer deux fois par semaine, en saison des pluies, tout le troupeau dans ce bain d'étiqueur, troupeau par troupeau. Le ranch, c'est la deuxième passion d'Henri. Pour savoir quelle était la plus importante, c'était la chasse ou l'élevage, je ne sais pas. Disons que c'était deux passions qui occupaient chacune à peu près la moitié de son existence. Ici, il retrouvait la durée. Un élevage, c'est quelque chose qui se reproduit tous les ans, qu'on essaye de faire croître, qu'on essaye d'augmenter, quand on essaye d'améliorer la qualité. Et chez Henri, il y avait ce côté profondément terrien qui l'amenait à élever, à conduire cet élevage à mi-chemin entre un élevage purement traditionnel et un élevage plus productif de type européen. Depuis qu'il est au nord, Henri chasse régulièrement. Très vite, il y emmène des amis, d'autres expatriés, des visiteurs. Il se découvre l'envie d'une seconde activité, celle de guide de chasse. Ils partent à la recherche d'un territoire sur lequel s'établir. Plusieurs Africains lui parlent de la région de la rivière Faro, dont les terres appartiennent au roi de Rey Bouba. Lorsque j'ai prospecté ce terrain de chasse, je suis resté un mois et demi avec quatre Africains qui étaient mes porteurs, qui étaient mes pisteurs, qui étaient mes conseillers de chasse. Et je suis parti avec 5 kilos de riz à pied sur ce grand territoire d'un million d'hectares. Et je n'avais ni lit, ni alcool, ni boisson. 5 kilos de riz, un filtreur. Et on vit au milieu de cette toile, entendant les lions qui rugissent la nuit. Henri a découvert un territoire vierge gigantesque, sur lequel il obtient une concession d'affermage. Dès 62, il prend contact avec l'association des chasseurs professionnels et prospecte en France ses premiers clients qui ne tarderont pas à arriver. Avant de les convoyer jusqu'au Faro, au plus profond de la savane brûlante et étouffante, il les emmène chasser le petit gibier dans les collines vertes et tempérées des environs de Gaoundaba. Cette petite chasse, cette matinée ou cet après-midi qu'on passait à la chasse au petit gibier, à la plume, c'était, je crois, une façon de s'adapter, d'apprivoiser le citoyen européen à ce qu'il allait vivre pendant les 15 jours qui allaient suivre. On tirait presque plus de coups de fusil pendant la séance d'essai que pendant les 15 jours de chasse qui allaient suivre. Mais je crois que c'était très très important. Pour la chasse au gros gibier, Henri doit régler un problème logistique. Transporter clients et matériel au cœur de l'impénétrable Faro. En 65-66, c'était les seuls véhicules qui étaient capables de quitter la route pour aller dans la brousse. Les 4x4, les Dodge 4x4, évidemment, parce que d'abord c'était robuste, ça passe partout, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tout-terrain, c'était pas comme maintenant. Parce qu'avec ça,
Hein? Bon, et le treuil, vous grimpez après un mur, hein? Alors, l'expédition commençait à Orange, où 4 Dodge, des surplus de l'armée américaine, étaient utilisés à chaque safari. On partait en convoi jusqu'à Ngaoundéré. Là, on faisait un dernier ravitaillement en carburant, en pétrole et en gasoil pour les groupes électrogènes. On prenait les derniers vivres frais, alcool, etc. Et puis, on continuait jusqu'au dernier kilomètre de la falaise où il y avait un rituel qui était le déjeuner, le pique-nique face à l'immense plaine de la Damawa, de la zone de la Benoué, qui est un paysage somptueux. Et même si le chemin d'accès était long et pénible, on voyait énormément de gibier sur le parcours. D'autant plus que Henri s'interdisait de chasser tout au long de la piste d'accès. Henri prenait un malin plaisir à ne pas entretenir sa route de façon à rendre la zone aussi peu accessible que possible à des gens qui ne possédaient pas des véhicules qui permettaient de passer pratiquement partout. Là, on va se ramasser la gueule. Bon. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Parce qu'il avait fabriqué, avec une douzaine de fûts de 200 litres, il avait fabriqué un radeau sur lequel on montait un power wagon, un 4x4 Dodge. C'était chaque fois épique ces traversées. Et on tirait avec des ficelles, avec en fait des cordes. Et ça bougeait d'un côté, ça bougeait de l'autre. Et c'était vraiment épique. Aujourd'hui, celui qui lui a succédé a construit un pont en béton armé sur le Faro. Et une grande partie du folklore, de l'aventure a disparu, ça c'est sûr. Et il avait établi trois campements. Le premier étant celui sur lequel on arrivait d'abord, et de loin le plus agréable parce qu'il n'y avait ni mouches, ni moustiques, ni tsetse. Il avait ensuite, toujours sur le bord de la rivière, un second campement. Et encore plus loin, au pied d'une petite montagne, un troisième campement où on allait essentiellement pour chasser l'éléphant. Là, on a pris des capitaines de très très grosse taille. Quand je parle de capitaines de grosse taille, c'est entre 50 et 80 kilos. Ce sont des bêtes énormes. Alors, elles n'ont pas beaucoup de place pour se mouvoir parce que les marmites sont resserrées, mais elles ont des trous. En fait, dès la première touche, il faut ferrer l'animal et le sortir et l'empêcher d'aller se terrer au fond d'un trou de rocher ou très rapidement. Sinon, le bas de ligne, du moins la suite de la ligne, se frottait sur la moindre arête de rocher. On était cassé, on perdait le leurre, on perdait tout. Confort rustique, ça c'est, je crois que tu as bien choisi le mot parce que en fait on était servi par du personnel qui avait des uniformes blancs absolument impeccables. Le champagne était millésimé, frappé à souhait. La cuisine extrêmement recherchée, on disposait de viandes de chasse magnifiques, enfin, des brochettes, des ragoûts. Des filets fumés, c'était une très très bonne table. Et en contrepartie, c'était le confort, et en contrepartie rustique, parce que les paillotes étaient des paillotes en plein vent. Au plein cœur de l'Afrique, tu disposais de ton petit jacuzzi individuel avec des petites cavités comme ça pour mettre ton savon, ton rasoir, ton gant de toilette, etc. C'était un endroit pour le plaisir, le bonheur de vivre avec la nature qui était parfaitement bien choisi
Et qui faisait oublier la dureté du voyage. Et à chaque fois que je suis bien quelque part en Afrique, je me réfère à ce pharo. Parce que le pharo, c'est quelque chose de fantastique, parce que on avait des vrais crapahuts. On crapahutait avec Henri dessus, avec Pierre Caravati, et pendant des journées entières, debout très tôt et couché. On prenait des bains extraordinaires dans le pharo. C'était la pleine lune. Cette baignoire extraordinaire, le pharo, c'est un torrent qui coule dans la sécheresse, dans l'aridité africaine. Mais c'est un torrent d'eau pure. Habituellement, les eaux africaines, on n'a pas envie d'aller dedans. On a l'impression que c'est croupi, qu'il y a des crocos. L'eau n'est pas croupie, il y a des crocos, il y a des lions. Mais on avait cette baignoire à l'échelle du monde. C'était extraordinaire. C'est bon. Mais vous voyez, entre les arbres là-bas, c'est le corps de l'oiseau ou quoi? Vous voyez, non? Oui, voilà, un petit mâle. Hey, voilà. Et la femelle derrière. Il est derrière, oui. Ça, c'est le clone de Bubal. Il y a longtemps? Oui. C'est vieux. C'est déjà vieux. Henri, au fil des ans, avait développé des qualités de pisteur hors pair. Mais de quels éléments dispose un pisteur pour traquer un animal? Mais pour le pister, il a un certain nombre d'éléments à sa disposition qui sont à peu près les mêmes. Il y a les traces, les empreintes que l'animal laisse dans le sol. Alors, lorsque le sol est très sec, etc., c'est quelques petites fractions de terre déplacées, etc. Ça peut donner le type de l'animal, quel genre d'antilope, etc. Ça peut donner son âge, ça peut donner son sexe. On peut définir avec une certaine exactitude, une certaine précision, à quel moment l'animal est passé. Enfin, ça a des limites, hein. C'est comme une empreinte digitale qui serait un peu effacée. L'autre élément que l'on repère plus facilement en brousse, ce sont les dégâts que font les animaux en se déplaçant et en se nourrissant. Donc, par exemple, l'élan de Derby, qui a des cornes extrêmement puissantes et qui est un animal fantastique puisqu'il fait près de 800 à 900 kilos, lui adore grappiller les petites pousses qui sont à l'extrémité des arbres. Et pour les atteindre, comme ce n'est pas une girafe, il va introduire ses deux cornes à l'intérieur de chaque côté, de part et d'autre du tronc. Il va tourner, il va tordre l'encolure et en même temps, il va casser l'arbre pour pouvoir grappiller les quelques pousses qui l'intéressent. Plus modestement, le passage d'antilope dans des pailles qui ne sont pas brûlées, ce sont des brindilles qui sont froissées, qui seront coupées. Certains prédateurs laissent des coquilles, par exemple des singes vont laisser des fruits à moitié mangés, etc. On peut savoir de quoi il s'agit. Et puis le dernier élément permettant de préciser l'investigation, ce sont les laissés ou les crottes, plus ordinairement. Là, il y a les traces d'éléphants, hein? Oui, c'est les petits. Oui, c'est moins. Là, on voit bien que les éléphants ont stationné pendant quelques temps. C'était en saison des pluies. Oui. Le sol est très, très malléable, donc on a conservé les empreintes. Il y a un ou deux arbres de cassé au ras du sol. Et puis, ils ont laissé des crottes là. Ça me fait penser à une anecdote que Henri faisait parfois avec ses clients néophytes qui venaient avec lui pour la première fois, quand il trouvait une trace bien fraîche, bien fumante, etc. Il expliquait l'intérêt de la façon de lire une crotte. Et puis une chose importante, c'était de prendre la température de la crotte, savoir si l'animal était passé il y a longtemps ou il y a un peu moins longtemps. Il prenait le doigt comme ça, de façon bien visible. Il trempait son doigt dans la crotte fraîche. Et ensuite, il faisait ça. Alors, on était admiratif d'autant de dévotion pour savoir quel goût ça avait, et donc dire il est passé il n'y a pas longtemps. Simplement, il changeait de doigt. Et alors, les clients, je me rappelle, étaient complètement fascinés par ce subterfuge. Et puis ensuite, on racontait la vérité, c'était l'occasion
de rigoler un bon coup le soir quand on était rentré au camp. C'était des petits clins d'œil dans des moments dramatiques, parce que la chasse, c'est quand même quelque chose de dramatique. Il y a la mort au bout. Alors là, il y a la mort du gibier, et puis on avait quand même, quand on entendait craquer dans les pailles, on avait par moments, on se demandait si nous-mêmes n'étions pas gibier. Et ce genre de petits trucs, ils le faisaient très volontiers, quoi. Voilà les crottes d'élan, regarde. Là. Ce matin, c'est frais, ça. Allez. Allez, ils sont devant. On va les voir. Tu vois le sabot de l'élan, là? Oui. Gros sabot. Il y a un gros mâle dans le pot, là. Regarde celui-là. Oui. Regarde voir. Il y a combien de temps, ça? C'est récent, c'est frais? Oui. Lorsque l'animal est blessé, il faudra savoir lire des gouttelettes de sang qui seront laissées sur les pailles ou qui seront laissées. Et l'animal qui perd un peu de sang, il peut perdre du sang tous les 10 ou 15 mètres, il va perdre une goutte, à moins que ce soit une grosse hémorragie. Et ce sera le talent du pisteur d'arriver, d'aller d'une goutte à l'autre et de retrouver la bête, parce que dans des pailles comme ça, très clairsemées, les traces sont presque illisibles. Les pisteurs, les gens qui allaient à la chasse avec nous, hein, bon, ils les traitaient un peu comme ses enfants. C'était le patriarche ici. C'était le papa, parce qu'il était plus âgé que la plupart de ses hommes. C'était le patron, parce qu'il fallait que ça marche. Seul un bon pisteur peut faire réussir la chasse d'un guide de chasse. Et les guides, il y a très très peu de guides qui aient une connaissance suffisante du biotope, de la nature, etc., pour pouvoir chasser sans pisteur africain qui lui est né ici et ressent la nature d'une façon beaucoup plus complète qu'un Européen. On est un peu handicapé. Il y a une perception, il y a l'ouïe, la vue, l'odorat qui chez nous sont atténués depuis de nombreuses générations et qui restent encore très 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 aigus chez un pisteur africain. On utilise des calibres qui sont proportionnés à la taille de la bête. Henri préférait utiliser des calibres légèrement surdimensionnés, c'est-à-dire qu'on soit plus sûr que la munition, si elle frappe l'animal, le terrasse immédiatement. L'arme du guide par excellence, c'est la formule express. Il y a une force d'impact de 900 kg à une tonne à 50 mètres. L'avantage sur les armes automatiques, de ne pas avoir besoin d'ouvrir la culasse, d'éjecter la douille qui vient d'être, la balle qui vient d'être tirée, et de faire remonter en repoussant la culasse une nouvelle balle. Ça prend quelques fractions de secondes si tout se passe bien. On peut également enrayer son arme et à ce moment-là, on se trouve parfaitement démuni en face d'une charge d'animal qui, elle, va prendre quelques fractions ou quelques secondes. L'express, lui, c'est deux coups, les munitions sont dans chaque canon, il suffit de presser la détente pour que le coup parte. C'est lui à l'épaule. Attends. À l'épaule. Pierre dans l'épaule. Devant. Un mètre devant. Oui. Ma faute. Henri n'était pas un très grand chasseur, dans le sens que j'ai connu des professionnels beaucoup plus brillants que lui sur le terrain, mais c'était un homme très positif dans le sens qu'il protégeait énormément ses animaux et il voulait que chaque trophée que le chasseur obtenait soit mérité. Il économisait son gibier et il faisait découvrir l'Afrique et la faune de par ses connaissances, en obligeant les chasseurs à regarder, à contempler, à admirer, avant de commencer même à tirer. Et il tuait. Mais c'est la relation qu'ont tous les chasseurs avec les bêtes.
Moi, ce que j'entends dire sur la chasse me paraît tout à fait étonnant, parce qu'il est vrai que souvent, ce sont les chasseurs qui permettent véritablement à des races d'animaux de vivre. Chaque bête qu'on abattait chez lui était une petite souffrance, parce qu'il voulait tellement préserver l'environnement et il voulait tellement avoir de beaux animaux en grande quantité qu'il ne laissait tuer qu'à très très bon escient. Ce que nous recherchons surtout, d'abord, c'est le trophée. Donc c'est le plus beau mâle. Il est interdit, évidemment, de tuer les femelles et les petits. Notre grande gloire, c'est de rechercher le mâle improductif, le vieux mâle, qui n'a plus de défense dans la brousse et qui va tomber sous les pattes d'un lion. Le tueur, le ferrailleur, ce que nous appelons le ferrailleur, c'est le monsieur qui revient excité de Paris et qui a un fusil dans la main et qui va tirer n'importe où, n'importe quoi. Et ça, nous l'interdisons formellement. D'ailleurs, nous avons des règles d'honneur. Il est interdit, comme ça se pratique malheureusement en Mozambique, de tuer des bêtes du véhicule. Il est interdit, évidemment, de chasser la nuit à la lampe. Il est interdit pour un guide de chasse d'abandonner une bête blessée. Et c'est là où le tout petit risque du métier existe. Il y a une règle générale que je vais vous dire. Aucune bête n'est dangereuse en Afrique. Aucune. Aucune. Toute bête blessée est dangereuse. C'était quelqu'un qui protégeait à outrance sa zone, au point d'en avoir presque des problèmes avec sa clientèle. C'est sa génération de guides qui a apporté cette nouvelle façon de chasser en Afrique. À ne pas considérer qu'on était simplement de passage. Il était à la fois content quand je revenais avec des résultats, mais en me disant, il me disait souvent, c'est trop pour la première année. Lorsqu'il me parlait des buffles, lorsqu'il me parlait des éléphants, des antilopes, des hippopotames, on avait l'impression auprès des hippopotames qu'il était avec eux, c'était leur copain. Baruka Babaladé, le lion est le père des animaux. Et je pense que si on lui avait dit que lui était le père des lions, il aurait été ravi. On avait remonté des élans au bout de 4 heures de marche au moins, et quand le chasseur s'apprêtait, après lui avoir indiqué quel était le mâle, et quand le chasseur s'apprêtait à le tirer, Henri était derrière et faisait des grands signes pour faire partir l'élan. Et le chasseur s'est retourné, l'a vu, et ça s'est pas bien passé. Pour moi, c'était un personnage qui avait une autre idée de notre profession. Bien qu'il soit pas vraiment, vraiment chasseur, c'est la profession qui l'intéressait et ce qu'elle représentait. Il avait beaucoup de gueule et il leur présentait, il racontait des histoires et puis il leur faisait manger de la viande. Il dit, ce soir, vous avez de la chance, nous mangeons du cob de buffon. Tout le monde trouvait ça excellent. Puis le lendemain, vous voyez, nous avons de la chance, nous mangeons de l'élan de derby. Puis le lendemain soir, ah, là, nous avons de la chance, nous mangeons du gui barnaché. Puis les chasseurs me disaient parfois, pas des chasseurs, des touristes, enfin, c'est curieux, toutes ces viandes d'Afrique sont très bonnes, mais elles ont quand même un peu le même goût, c'était toujours la même. On se posait la question, est-ce qu'on mange du cob de buffon ou du buffle? Il faut vraiment te connaître. Et Henri n'était peut-être pas très très sûr, et il demande à Albert, « Albert, qu'est-ce qu'on mange là ?»« Du cob ?»« Oui, patron. » Et puis lui, il avait envie de dire que c'était du buffle. « T'es sûr que c'est pas du buffle? C'est du buffle ?»« Oui, patron. » »« Tu me prends pour un con ?»« Oui, patron. » Il représentait à sa manière, un modèle qui n'était pas facile à copier. Donc, dans ce cas-là, les gens sont un peu jaloux. Jaloux de son succès, il avait une clientèle remarquable de plusieurs nationalités, de plusieurs bords politiques, de plusieurs réussites dans l'establishment, des aristocrates, des nouveaux riches, des PDG. Il enseignait à ses chasseurs la déontologie, l'éthique, la connaissance du gibier. Et puis c'était devenu d'ailleurs des amis, on ne parlait même plus de clients. Une grande majorité de ses clients, on peut dire qu'ils sont venus ici pendant 20 ans. Finalement, on se demande s'ils venaient pour chasser, vraiment. Ou si c'était, disons, le contact qui leur plaisait et tout. Charismatique, leader dans son métier. Et donc, j'étais complètement fasciné par ce personnage, haut en couleur et en même temps très dur, parce que responsable de chasseurs, responsable de la vie des gens qui venaient chasser chez lui. C'était quelqu'un qui se violait souvent, qui ne voulait pas admettre ses faiblesses, et je l'ai vu parfois très mal.
Mais comme il était ce personnage que l'on voit lorsqu'on le regarde sur l'écran, c'est-à-dire ce seigneur des forêts, forcément il en imposait. Et il fallait aussi installer quand même une certaine hiérarchie pour que la chasse soit bien organisée. Il ne fallait pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Donc disons, pour simplifier les choses, qu'il avait une certaine autorité. Oui, oui, un peu autoritaire. Oui, oui, très autoritaire même. Parfois, il avait tendance à vouloir vous rabaisser un peu, mais ce qu'il cherchait, en fait, dès qu'on avait une petite révolte et qu'on ne supportait pas se faire écrabouiller, alors là, il vous en aimait plus. Mais seulement, il faut marcher droit, hein, pour pas... C'était un type droit. Lui-même fils de militaire, et c'était pas un homme avec lequel on transigeait ou qu'on pouvait espérer réfléchir. Il avait des idées très arrêtées sur tout ce qui l'entourait. C'était pas un patron facile. C'était pour les gens, notamment les jeunes qui ont travaillé avec lui, c'était pas du bizutage, mais il voulait les former. Il avait un charisme qui maintenait les assistants dans un état d'émerveillement, et donc il arrivait à les manipuler. Ceci dit, c'était quelqu'un avec qui on apprenait beaucoup, qui avait beaucoup d'autorité naturelle et un tel respect de la brousse qu'on ne pouvait que le suivre. Et comment ça se terminait généralement, la collaboration? Pas très bien. C'est-à-dire que ça se passait très bien jusqu'au moment où l'assistant guide devenait guide. Et quand il m'avait demandé de travailler avec lui, je lui avais dit, bon, ben moi, un salaire de temps, ça va. Il me dit non, je ne suis pas d'accord. Et je me suis mépris un peu là-dessus. Je lui ai dit non, Henri, je pense que quand même... monsieur, parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même plus jeune, etc. Je lui ai dit, je pense que ça vaut ça. Il dit, non, ça vaut pas ça, ça vaut le double. La générosité, c'était quelqu'un d'excessivement généreux et qui avait un comportement de seigneur. Alors, c'est un terme qui est assez ambigu et ambivalent aujourd'hui, parce qu'on parle de seigneur, on fait référence au roi, etc. Non, je pense que c'est pas du tout ça. Seigneur dans le sens où c'était quelqu'un qui était capable de faire des choses incroyables gratuitement. L'argent n'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est de faire, de construire, de réaliser, de vivre la vie qu'il souhaitait vivre. Et donc tout le côté affairiste, monnaie, business, etc., c'était pas son truc, c'était pas sa préoccupation. La rentabilité n'était pas sa préoccupation. Il fallait que sa zone soit belle, que ses amis soient heureux. Il fallait dépenser tout ce qu'il fallait pour qu'il le soit, etc. Je dis également à des jeunes gens qui viennent me voir et qui me disent, monsieur Hidessus, j'aimerais faire votre magnifique métier. Tout ça, c'est très beau, c'est mythique. Mais avant d'être un guide de chasse, il faut être un bon cuisinier. Il faut être un bon mécanicien, il faut être un bon bricoleur, il faut être comptable, il faut administrer son affaire. Ce personnage redevient ce qu'il est, c'est-à-dire un artisan, un bon compagnon et aussi un homme d'affaires. Et c'était un homme qui avait une immense gentillesse et il avait une chose étonnante, il avait surtout un sourire extraordinaire, hein, qui séduisait tout le monde. Il avait toujours cette espèce d'élégance naturelle. Moi, j'ai bien, Henri n'était jamais négligé. Même en zone de chasse, il est toujours avec des pantalons jolis, des chemises faites sur place là, par toutes ses équipes. Là. Mais et sa grosse serviette éponge autour du cou. Disons assez haut en couleur, un petit peu une émule d'Hemingway où il se voulait comme tel. On arrive dans des pailles qui n'avaient pas été brûlées. On suivait la première équipe, Henri et le caméraman, qui étaient à 200 mètres, mais ça prend longtemps quand on marche très lentement, et on tombe sur eux, et la chasse était terminée normalement. Et là, on a eu un coup de peau extraordinaire, de pouvoir encore être là pour le raconter d'ailleurs. Henri a senti quelque chose. Mais alors ça, est-ce que c'est de l'intuition, du talent, ou est-ce que il a senti que c'était pas possible que ça se passe comme ça. Il est reparti avec son vieux pisteur préféré, juste derrière nous. Il a repris, on l'a croisé donc, et à 50 mètres de l'endroit où on était, il a tiré.
Il a une première balle, Pierre Caravati et le caméraman se sont précipités, ils ont réussi à filmer. Et là, l'explication, c'était un vieux buffle, un vieux mâle dominant, qui avait passé une nuit exécrable parce qu'il avait dû perdre son dernier combat. Il avait la moitié du bandeau qui était arraché, ce qui fait qu'il saignait un tout petit peu, comme ça, de temps en temps. Il était bourré d'adrénaline parce qu'il se sentait poursuivi. Et nous, on est passé au ras de ses moustaches. Et là, il y a eu un miracle parce qu'habituellement, ben, un buffle dans cet état-là, il piétine tout le monde, quoi. C'est facile de tirer une bête à 80 mètres, une antilope, avec les fusils, avec les moyens modernes que nous avons. C'est facile. Mais un caméraman, il faut qu'il approche la bête. Puis il en veut encore. Et il va plus près encore. Et il prend tous les risques et il m'en fait prendre aussi. Et on n'a pas le droit de tirer puisqu'on n'est pas venu pour tirer, on est venu pour filmer. J'ai monté une affaire de Safari Vision. Je vois des gens qui en prennent plein leurs yeux et qui en prennent plein leurs caméras. Et voir dans une réserve de faune, voir dans le coucher de soleil un troupeau d'éléphants qui sort à un kilomètre puis qui s'approche près de la mare sur laquelle vous êtes posté, c'est magnifique. À plus de 60 ans, Henri, qui a réalisé tous ses rêves de jeunesse, fait feu de tout bois. La chasse, les safaris vision, l'élevage et le tourisme. Son équipe compte 5 guides et assistants, une douzaine de pisteurs et près de 50 boys et employés. Tous les ans, plus de 500 personnes viennent d'Europe pour séjourner à Gaoundaba et au Faro. Chaque saison terminée, début mai, il brûle son campement et part se reposer en Corse, chez son complice Raymond Laure et chez ses amis les Demeliers. D'année en année, les vacances deviennent de plus en plus méritées. La Corse était son break, c'était ses vacances. C'était un besoin d'être en Corse. Il en avait besoin. Il revenait de la chasse. Il disait, bon, je pars qu'en Corse, j'ai besoin de se plonger dans la mer. Sur cette photo, Henri est avec sa compagne, qu'il a rencontrée sur le tournage du film Le Guide et l'Enfant. Elle se pose la même question que chacune de celles qui l'ont précédée. Comment vivre avec un homme qui passe la moitié de sa vie au fond de la brousse? Henri, ce seigneur protecteur de tous, ne gardera aucune de ses compagnes. La vie le séparera d'elle plus ou moins brutalement. Début 89, un accident de chasse vient entacher la vie tranquille du Faro. Le journaliste Michel Droit blesse mortellement Jacques Chibré. Triste coïncidence, celui-ci était venu chercher la dépouille de son père. Deux corps repartent vers la France. L'affaire touche beaucoup Henri. Ça a été un événement tout à fait dramatique qui d'ailleurs, je crois, lui a modifié le caractère et a rendu les derniers mois où je l'ai connu extrêmement sombre, extrêmement difficile. Enfin, il y a l'épisode marquant du lion qu'il vit avec son client et ami Claude Boudard. Avec mes petites jumelles, j'étais là, à l'ombre, on commençait à se reposer un petit peu. Et je jumelle un petit peu, et qu'est-ce que je vois sur la rive opposée? Un lion, magnifique, sur un petit banc de sable qui se prélassait, qui était là, crinière au vent. J'ai dit, Henri, il y a un lion, laisse-moi, fous-moi la paix, je me repose. Je te jure qu'il y a un lion. Et regarde, mais c'est pas possible, mais c'est vrai. Et au bout d'un moment, on est arrivé à peu près à la hauteur du lion. Et au moment où Henri a vu le lion, il y a eu un rugissement incroyable. La lionne était de notre côté. Il y a trois lionceaux qui nous ont déboulé dans les pattes. Et la lionne qui a rugi parce qu'elle sentait que ces lionceaux étaient un peu en danger. On était un petit peu pris de court parce qu'on ne s'attendait pas du tout de tomber sur la lionne et les petits. Là, Henri me dit, tire-le, je m'occupe de la lionne, les petits. Puis je l'ai vu en train de faire des grands mouvements, pratiquement pour les chasser comme des grosses mouches. J'ai tiré le lion, il a boulé, il s'est débattu, il a griffé le sable. J'ai pas redoublé. Bon, bah, c'était mon premier lion. Le lion était quand même bien touché, bien amoché. Il saute, il grimpe dans la galerie forestière, c'est-à-dire il grimpe le remblai, et il disparaît dans les buissons qui bordaient la rivière. La lionne était partie, je ne sais où, les lionceaux, je ne sais pas où ils étaient, mais enfin bon, bref, il n'y avait plus personne. Elle a dit, ben maintenant, il va falloir aller le chercher. Ah bon, c'était pas très très excitant, mais enfin bon, fallait aller chercher, pas question de laisser un animal blessé, bien sûr. Alors on traverse un petit peu à la commando avec les fusils, avec de l'eau jusqu'à la taille, le Faro, on passe de l'autre côté, bien sûr, on trouve les traces, les pisteurs commencent à grimper dans les taillis, c'était très plus dense que de notre côté.
Il dit, bah, écoute, là, là, il va falloir faire très attention. Le lion a affolé une fois, deux fois. Il me dit, fais attention, la troisième fois, il va nous charger. On était presque dos à dos parce qu'on ne savait pas d'où ça allait venir. Donc on a fait à peu près 100 mètres comme ça, vraiment dans des conditions pas très très agréables. Et puis tout d'un coup, le lion a affolé une troisième fois, rugi une troisième fois. Il a pris de l'élan là-dedans, on ne le voyait pas. On a pu se redresser et on a vu le lion débouler dans la clairière. Aussitôt, il a tiré une fois, deux fois, je crois. Moi, j'ai dû tirer, je sais même pas, oui, il a dû tirer trois fois et moi, j'ai dû tirer deux balles. Le lion est tombé, on a compté, il y avait 8 pas entre lui et nous. Mais vraiment, il venait sur Henri, je précise. Parce que ça a été un moment très, très intense. Ça l'a marqué, pourtant, il avait quand même quelques dizaines d'années de safari avec des chasseurs, donc... Il n'était pas son premier lion, et pourtant ça l'avait quand même bien frappé, bien marqué, tel point de faire ce bracelet. Il a récupéré les douilles de la carabine et des cartouches qu'il avait utilisées, et il les a fait monter en bracelet. Ce bracelet, c'est un bracelet fétiche. Les trois douilles que vous avez là sont les restes des balles qui lui ont sauvé la vie. Il faut savoir qu'un lion... Ça court à 60 km/h et que ça a une détente de 15 ou 20 mètres horizontale, c'est-à-dire qu'en une seconde, il est quasiment sur vous, et qu'il a eu le temps de tirer ses trois coups et donc d'achever l'animal, et qui est venu mourir à ses pieds. Et donc ce bracelet est le souvenir de cette aventure qui aurait pu lui coûter la vie. Ça brillait, c'était beau, c'était de l'or. Et tous les Africains, tous ces pisteurs, tous ces collaborateurs africains, eux-mêmes couverts de gris, parce qu'on va pas, les Africains vont pas à la chasse sans avoir le gris-gris, c'est-à-dire un fétiche, considéraient que le bracelet d'Henri était un véritable porte-bonheur pour lui. Il avait son gris-gris à lui, et peut-être qu'il y croyait. Je pense qu'on a tous nos petits fétiches. Hein. Le jour de ce 14 décembre, il était allé à une réunion de guides de chasse à Garoua. Ça s'est très bien passé, même peut-être moins furibond ou moins féroce que les autres fois. Et arrivé devant chez lui, il me dit « Rendez-vous dans un quart d'heure, le temps que je prenne une douche et j'arrive ». Et puis de mon côté, je retourne à la salle à manger et là, les clients nous attendaient. Une demi-heure passe, toujours pas d'Henri et je me suis inquiétée. Je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée chez lui et c'est là où j'ai découvert Henri allongé par terre et mort. Il avait eu apparemment une mort brutale, subite, et il y a quelque chose qui m'a, comment dirais-je, pas choquée, mais qui m'a surprise dans sa chute, parce que c'était un grand bonhomme, solide, costaud. Dans sa chute, j'ai trouvé à côté de lui son bracelet dont il ne se séparait jamais, qui représentait les trois balles de lion. Et ce bracelet, qui était pourtant en or, une très grosse maille, ce bracelet était cassé, que j'ai trouvé à côté de lui. Et pourtant, sur le moment, avec la mort, on a autre chose à penser, mais j'ai trouvé, et dans les jours qui ont suivi, je dis, c'est curieux quand même, ce grand bonhomme par terre, le bracelet qui ne le quittait jamais, c'était peut-être un message, quelque chose, le bracelet cassé. J'ai passé une nuit comme il y en a de temps en temps, où on ne dort pas, on ne sait pas pourquoi, etc. Et le matin, ma grand-mère est arrivée, elle a dit, Henri est mort, et je le savais. L'image qui reste, c'est l'image de ce grand gaillard, costaud, souriant, vaillant. La nuit, je suis arrivé, j'ai trouvé tout le monde. C'est lui. Il est mort. Ah, ça m'a fait mal fait. Vraiment, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout. Parce qu'il était resté bien avec moi. Il m'a montré beaucoup de choses. Bon, quand vous perdez, on peut dire, c'est plus qu'un ami. D'ailleurs, hein, il est où, là? Hein? Il n'a pas voulu qu'on le rapatrie, il s'est fait enterrer ici, chez lui. Il y a eu une messe de funérailles à Ngaoundéré, il y avait beaucoup de monde qui n'était pas obligé de venir. Il y avait des petits, il y avait des grands. Les autorités locales étaient là, bien entendu. Ensuite, on a organisé un convoi avec des 4x4
Il est enterré dans la montagne à côté d'ici. La pente est très raide, alors les 4x4. On gravit cette pente comme une dernière colline à franchir. Il est enterré face au lac. Il n'y a pas de croix et tout, parce que je crois que j'ai demandé aux gens, aux autorités, mais aussi aux religieux d'ici, du village d'à côté, dit, est-ce que vous voyez un problème à ce qu'on enterre mon papa, un peu comme vous à côté? Ils ont dit non, pas du tout, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on a fait. J'aimerais avoir un petit tertre dans mon ranch dans lequel je reposerai. La pensée m'est très agréable. Asmo zena batna zama intuya tanturuja lehanina banaku asara asami mogona indina kalam yombe yom jani anashunu rapi Asabe mogon indina kalama yombe yom jani anashunu Asabe mogon indina kalama yombe yom jani anashunu